Bonjour chers pimistes, aujourd'hui nous allons voir comment tenir sa guitare. Comme vous le savez, ou vous avez pu peut-être l'observer, il y a de multiples façons de tenir sa guitare. Mais il y en a une qui s'avère être optimale pour commencer. C'est celle de la guitare classique. C'est la position qui permet d'avoir plus facilement une bonne position main gauche et main droite dès le départ, car c'est celle qui vous donne le plus d'appui pour stabiliser l'instrument et votre jeu. C'est pour cela que nous vous la recommandons pour vos débuts. Par la suite, une fois que vous aurez pris de bonnes habitudes de jeu, vous ferez bien sûr comme vous le souhaiterez. Mais en quoi consiste-t-elle? Asseyez-vous sur le bord de votre chaise. Écartez vos jambes et posez votre jambe gauche sur un repose-pied ou, si vous n'en avez pas, sur quelque chose de manière à la surélever. Insérez votre guitare contre votre corps et entre vos jambes comme ceci, de manière à ce que la tête de la guitare arrive à peu près à la hauteur de votre front. Les deux jambes et votre torse forment les trois premiers appuis. Posez votre avant-bras sur le bord de l'éclisse et de la table. C'est votre quatrième appui. Et posez votre pouce main droite sur la sixième corde. Attention à toujours garder un espace entre votre avant-bras et votre table. La paume de votre main droite ne doit pas toucher la table. Veillez bien aussi à ne pas retenir à la main droite la guitare en posant le poignet sur la table d'harmonie. Votre poignet doit rester souple et extérieur. Là, vous êtes bien installé pour tirer votre première corde. Occupons-nous maintenant de la main gauche. En guitare électrique et même en folk, le pouce main gauche peut être utilisé pour bloquer une corde ou appuyer une case. Cela étant dit, quand on débute, il vaut mieux apprendre en le positionnant de manière classique afin de prendre de bonnes habitudes ergonomiques. Par la suite, quand vous serez plus à l'aise et que ce qu'on appelle les barrés n'auront plus de secret pour vous, vous pourrez faire comme vous le préférez. Pour ce faire, positionnez bien à plat derrière le manche votre pouce main gauche. Il ne doit pas dépasser, c'est votre cinquième appui. Il est préférable que votre pouce se situe perpendiculaire au manche, à peu près entre votre index et votre majeur. Pour appuyer sur une case, positionnez votre doigt en marteau, de manière à ce qu'il fasse comme un pont avec le manche. Pour ce faire, pliez bien votre première phalange verticalement, près de la barrette suivante, pour qu'il n'y ait pas de grésillement. Cela vous demandera aussi moins de force. Le pouce sert de pince pour l'appui, afin que le son sorte proprement. Quand vous levez votre doigt main gauche, veillez à ce qu'il se lève juste au-dessus de la corde, et pas trop haut, afin qu'il puisse se poser rapidement en gardant les phalanges pliées. Et voilà pour la base. Maintenant, filez voir comment jouer en butée et en pincée qui complète bien ce tuto. Bon courage, pimatez bien, et surtout n'oubliez pas, take fun!